14 juillet, ce sera un moment extrêmement important pour nous. Une très grande fierté d'abord pour une unité de Légion étrangère de se présenter aux Français et puis pour le 1er Régiment étranger de cavalerie de montrer ses nouveaux engins. Puisque nous sommes le premier régiment à être équipé du Jaguar, nous changeons totalement de génération et ça illustre totalement la transformation de l'armée de terre. Le point particulier pour l'ensemble des répétitions que nous faisons ici, c'est assez similaire à ce que l'on fait lorsque l'on répète pour les défilés à pied. Il y a bien entendu l'ensemble de la coordination pour les alignements devant, sur les côtés, mais il y a une complexité supplémentaire, c'est le rythme des véhicules, puisque le défilé fait plus d'un kilomètre en termes de véhicules. Et donc il y a toute la phase de lancement des engins pour avoir un bon rythme de croisière et être parfait en arrivant devant la tente présidentielle.